bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10. Ça y est, on rentre dans la dizaine de The Last of Us Part 1. Évidemment, toujours en 4K 60 FPS. N'hésitez pas à vous régaler. On se retrouve dans notre hôtel, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a à ramasser à gauche à droite. Et ça, je peux vous le dire, ça fait extrêmement plaisir. Évidemment, je suis très heureux de vous retrouver. N'oubliez pas d'ores et déjà un petit commentaire, un petit like. Ça vous prend quelques secondes, mais quel bonheur ça m'apporte, je vous le dis. Et n'oubliez pas aussi de vous installer confortablement. On est parti. Vous connaissez la musique, une bonne demi-heure ensemble. Et on va voir un petit peu tout ce que l'on peut faire avec cette échelle. Même si je pense que le choix est très vite assez restreint. Malheureusement, hop. Je l'ai posé là au cas où. On se souviendra qu'il y a un coffre en bas. Hein. Vas-y, monte. Ouais. Attends. En vrai, de vrai. Il y a un monde. Oh mince. On va pas aller là. On va déjà monter ici. On sait jamais. Ça a l'air d'être un grand hôtel. Un bel hôtel. Fais attention. Ok. C'est embêtant. C'est quoi ce merdier? Mais c'est trop grand cet hôtel. Moi je veux juste l'affiche pour le coffre du bas. Vous savez que je suis un grand gourmand, un grand friand. J'aime l'aventure, j'aime le plaisir, j'aime débloquer de belles choses. On va passer par ici, sait-on jamais. Peut-être que l'autre bout est encore plus lumineux, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui n'a aucun sens évidemment. Ah, regardez-moi ça. Ça, ben voilà. 22-10-56, par contre, on n'a toujours pas vu cette fameuse croix rouge. Et ça, ça m'embête. On est peut-être passé à côté d'un petit treasures. 22-10-56. J'espère que vous notez toujours jusqu'ici. On va y aller tranquillement. Je sais pas ce qu'ils ont tous à mettre des coffres forts comme ça, en plein milieu de d'une grande area. Hop. 22-10-56, let's go. Let's go, mon petit Joël. J'espère qu'on va se gaver. J'espère des pilules, voilà, ça serait cool. Et du bonheur avant de tout. Elle est où déjà? Mince alors, elle est là. Alors, 22, je dis oui. 10, je dis oui. Et 56. Merci. Oh, un petit manuel. Alors, longévité accrue des lames. Bien. Très content. Très, très, très content. Donc, ça veut dire que là, mon surin tient 3 fois. Il tient 3 fois, mais c'est incroyable. 50. Mais c'est incroyable. C'est insane, ça donne envie, ça donne envie, ça fait rêver. Voilà, le bonheur passe par des choses simples. Et là, nous y sommes. Nous y sommes dans le bonheur. Superbe. Let's go. On continue. On a eu notre coffre. On a bien commencé l'épisode. Ok. C'est par ici. C'est par ici la sortie. On y va au calme. Allez, viens, ma petite Ellie. On va voir un peu ce qui s'y cache sur les toits. Oh, merde. Baisse-toi, baisse-toi. Attends, c'est pas vrai. Attends, ça fait combien déjà? 5 cette semaine. Mais je me plains pas. Serge, j'en doute pas. C'est fini? Il y a un dernier étage à fouiller. Pourquoi faire? On n'en voit plus des claqueurs. C'est parce qu'on fait gaffe, et on va continuer à faire gaffe. Bon, finissons-en, ok? Bon, peu importe. C'était quoi ça? Ok, superbe. Allez, un en moins. Grâce à une astuce, encore une fois la brique. Avec la barre de fer, tu peux tout faire, mais avec la brique de brique, tu peux
te débloquer de n'importe quelle situation. J'ai eu peur. Allez, fais vite, je t'en supplie. Merci. Ok. Oh, je préfère la brique, y'a rien à faire. Tu vois la brique, y'a ce petit côté un peu excitant. C'est une brique, bordel, tu vois. Je préfère recevoir une brique. Non, je préfère recevoir une bière vide. Une bouteille qu'une brique, frère. Je sais pas. Alors oui, y'a des bouts de verre. Mais une brique, frère. Je suis foutu. Qu'est-ce qu'il faisait là, Roman? Alors, mon frérot? Okay. Qu'est-ce qu'il faisait là, le man? Ok. Je commence à avoir la gorge qui s'assèche. Ok. Superbe. Superbe, 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 superbe. Pas facile de se concentrer sur la trajectoire des mecs, de pas faire enfin d'éviter du moins de faire des erreurs, parce que bon, des erreurs on en fait forcément, et de tabasser tout le monde. Ok, on pouvait passer par là, incroyable. Ça, je prends. Oh. Des ciseaux, un petit médic. Une petite barre céréalée, la famille. Toi-même, tu sais. Ok, on va passer par ici. Il y a rien. Qu'est-ce que c'est? C'est un guet-apens, ça, les gars. Oh. Attends. Genre là, il y a une zone de rien. Les mecs, vous nous avez fait une... Non, je suis un baiser, moi. Bah oui. Ça rentrait pas dans le level design de base, tu vois. J'étais en mode, tu ne peux pas faire une pièce de rien. Oh putain. Ok. Ça on prend. Parfait. Le truc c'est que c'est un hôtel, alors toutes les chambres se ressemblent, c'est l'enfer. Vous allez bien? Ok. C'est dégueulasse. Oh, c'est flippant. On dirait qu'ils sont allés au plus facile. Non, ça n'a rien de facile. Ils voulaient juste éviter qu'un claqueur ou un chasseur le fasse à leur place. Ça n'a rien de facile. Crois-moi. Ok, ils sont deux. Et là, il n'y a personne. On va aller fouiller ça au calme. Ah! Une brique. Très bien. J'essaye de vraiment tout fouiller parce que...
Je vous avoue que... J'aimerais amener à améliorer mon petit Joël le plus haut possible. Ah. Ouais, j'ai entendu. Allez, fouillez ces pièces. Merde. Ok. Ça c'est fait. Putain. Un, deux. Et deux à gauche. Ils sont assez loin. Je suis assez serein. Deux, par contre, ça peut être un problème. Putain, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un à côté, quoi. Terrible. Ça, je prends. Ok. Je sais pas il y a combien d'étages dans cet hôtel. Mais j'ai vraiment l'impression d'être toujours au même étage. Oh, c'est beau, bordel. Donc, ceci est très embêtant. Une petite barre céréalée, ça tu connais. Putain, mais ça donne que dalle. Vous êtes des rats, les gars, wesh. Ok. Superbe. J'ai l'impression qu'on s'en sort bien mieux qu'il y a 9 ans, je vous le dis. Ok. Ça c'est fait. Et pas qu'un peu mon neveu. Et plutôt deux fois qu'une. Ok. Et là on monte par où? Par ici je suppose. Est-ce que ça vaut le coup de se foutre en l'air? Est-ce que ça vaut le coup de tuer deux mecs là-haut, là? Pour potentiellement un bout de tissu? Qu'en pensez-vous? J'ai presque envie de dire oui, parce que c'est assez jouissif de tuer des gens. C'était quoi, ça? Hop, ça c'est du pain béni, frérot, toi t'as été un cadeau, hein. Toi, mon pote, je suis désolé, mon ref. En vrai, de vrai, t'as été un giga cadeau, hein. T'es un vrai frère, hein. Ok, superbe. Très bien. Bon, bah, on va aller tuer le dernier, hein. C'est vraiment pour le mérite, hein. Ça se trouve, il va être giga strong. C'est peut-être le mec le plus fort qu'on ait jamais vu. Putain, mais la vache, cet hôtel est fou. Ouais, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de lui courir dessus. Je rigole. On va juste l'étouffer. Hop, ok. Non, on va pas l'étouffer. On va juste lui mettre un giga coup de genou. Et ben voilà, c'est fini. Allez, viens. Oh, attends. Ok, on pouvait passer par là.
C'était pour nous montrer toutes les possibilités, évidemment, de level design. Extraordinaire, ça nous a fait rêver. Sachez-le. Mais je pense qu'on a été littéralement des machines. Et que personne n'a malheureusement rien pu faire face à notre puissance. On les a tous exterminés, méga chaud. Je suis méga chaud. Ok, c'était par là, c'est ça? Voilà. Allez, on est reparti, étage suivant. Je sais pas, il y a combien d'étages comme ça. Ça risque de swinguer. Ok, ça a l'air d'être fini. Hop, ça on prend. Ça, il n'y a rien. On dirait qu'il y a une échelle dans cet ascenseur. Et on va y aller, Bibi, je t'inquiète. Allez, let's go. Let's go, let's go. Ok. Très bien. Voyons où ça nous mène. Ça va être serré, mais tant pis. Ok. Ok. Ok, c'est les problèmes ou pas? Ou c'est ok tiers? Ouais. Ça a l'air d'être les problèmes. Allez, viens, monte. Trouve-moi un truc pour m'aider à grimper, ok? Monte parce que ça a l'air d'être un aller simple pour l'enfer en haut. Hein. Allez! Dis-moi en bas plutôt. L'ascenseur a pas l'air de tenir. Voilà! Putain, je sais même pas comment j'ai fait pour survivre à ça. Je vais bien. Toi, ça va? Non. Putain, tu m'as foutu les boules. Ok. Bon bah c'est les problèmes. Non. Surtout tu restes là. Hop voilà, je ferme ma gueule. Comme ça, on m'entend pas. Ok, il y avait rien, on sait jamais. Ah, peut-être pas là. Oh merde. Oh. Ok. Il y a rien. Ok, on est revenu littéralement à la case départ. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Je crois pas être passé par là. C'est rien. Même pas peur. Oh merde. Ça fait beaucoup ça. Ça fait beaucoup. Beaucoup de cadavres pour. Pas grand chose. Je crois me souvenir que j'avais galéré à un endroit comme ça il y a 9 ans. C'est possible d'avoir autant de souvenirs que ça? Oh putain, ça en prend. Bien sûr qu'on prend. Bougez pas. Ah, je peux pas confectionner parce qu'on peut pas poser son sac. Lol. Lol, lol, lol. Lila loula loula. Très bien. Très bien. Allez. Oh, trophée obtenu, bien équipé. Mais attendez. 5% des gens ont ce trophée, j'aimerais regarder. Collectionner tous les objets. Mais comment ça? Ah non, obtenu par 45,5% des joueurs. Excusez-moi, je me suis senti beaucoup trop chaud. Je me suis senti beaucoup trop chaud pendant un bref moment. Et ça m'a rappelé que j'étais qu'une merde et ça fait plaisir. Ah d'accord, le liquide, je l'ai pas utilisé. Nickel.
Nickel, 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 on se casse. On se casse comme on se casse. Ok. On va où? Merde alors. Qu'est-ce qui se passe? C'est des problèmes? Bah dites donc. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ok. Ok. Ah mince alors. Comme disait Jules. Je comprends pas. C'était pas là C'était pas là la soluce? Je suis fou. Bougez pas. J'ai peur d'être un peu débilos. Là, il y a R. À droite, il y a R. C'est là? Non, on vient de par là. Aucun sens. Ça me dit rien, ça. Cette petite porte. Ça me dit rien non plus, ça. J'étais dans une salle annexe, c'est ça? Ok, ok, bon bah écoutez, on a trouvé. Oh merde. Oh bordel. Ça ne s'arrêtera pas. Oh merde. Cette histoire, je te le dis, hein. Je te le dis. Bon, on me la joue encore avec la brique et la bouteille. Ce n'est pas une affaire qui va en m'arrangeant. Il y a plusieurs entrées, il y a un générateur, tiens. Cool. Cool, cool, cool. Je déteste ces trucs. Ok. Ça doit être dégueulasse. Oh, la suite doit être dégueulasse. Ok. Bon, faut vraiment pas qu'il nous touche. Vous l'aurez compris. Ok. Ça a pas l'air si horrible que ça. Là, non. Ok, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, pas de soucis.
Pas de soucis, attendez, c'est pas fini, j'en ai pas terminé. Il arrive. Allez, dégage ta mère immédiatement. Tu es hors de ma vue. Comme disait une chanteuse juste avant la fin du monde. Ok. Et ben on a eu très très chaud. On va se reconcentrer puis on est reparti les amis. Bon, ça m'embête parce que j'ai fait quoi? What? C'est incroyable ça. Allez, ferme ta gueule. Ok, ça c'est les problèmes. Tout ce qui est en train de se passer est problématique, mais on va prendre le temps de fouiller, j'en ai rien à péter. Alors, qu'avons-nous là? Ok. Très bien, ça me plaît ça. Merci de donner autant de balles de pumps. Ok. Ça, on va prendre. Ok. Compliqué ce qui est en train de se passer, les amis. L'ambiance est très... est très difficile, hein. Non, pourquoi tu veux me donner une astuce, bibiche? Non, j'ai pas besoin d'astuce, les gars, hein, je suis pas une salope, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Incroyable. Jack, mais c'est une vraie photo, ça, je reconnais. Hop, moi j'ai dit que je voulais une brique. Ok. On va passer par là-haut. Bien. Là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh putain, mais ça merdit partout, c'est pas possible. Le but, c'est monter, là, non? Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Allez. Bien joué. C'est bon. Bon. Eh, plus de peur que de mal. C'est dur. Ouais, joue le Cali. Joël, on s'est fait écarter la mâchoire deux fois d'affilée quand même. Ça fait beaucoup. Tu le comprendras, je pense. Ok. J'espère qu'Ellie ne bouge pas de là où elle est. Quand même. Ok. Tiens, d'ailleurs, vraie question. 30. Guérison rapide. Confection rapide. Putain, la portée du mode écoute, c'est attirant, mais stabilité de l'arme quand même. Hein. C'est quoi maîtrise du surin? Je comprends pas. Utilise un surin pour échapper à l'emprise d'un claqueur. Oh, bien. Ça évite le one-shot. Ça évite le one-shot. Ça, on prend. Attends, on a de quoi bien améliorer. Ils sont un petit peu ras sur les pilules, néanmoins, je trouve. Mais après, je sais que le jeu est long. Dans mes souvenirs. Ok. Très bien ça. Nickel, y'a rien. Très bien ça. Alors, c'est parti. On va faire nos petites modifs et on va pouvoir s'arrêter là, les amis. Vitesse de rechargement. Ah non, c'est la capacité qui nous intéresse vraiment, hein, je pense. Hein.
Mais il me faut 3 outils, je les ai même pas, miskin. Ok. Tant pis, c'est pas grave. Lunettes. Lunettes, ça me paraît pas mal. En vrai, une petite lunette. x20 en grossissement, parce que c'est le but d'un sniper. You know what I mean? Allez, go, on prend. On va se mettre une petite lunette. Eh, frérot. On va se régaler. Un petit silencieux, là, je suis repeint. Hein. Vraiment, je suis le roi du pétrole, hein, faut le savoir. Hein. Les balles tirées infligent plus de dégâts. Perforation, ok. On va ranger ça quand même. En vrai, l'arc miskin. Vitesse de tir, peut-être, hein. Histoire de bander plus vite. Ou ça. Allez, à la limite. Ok. C'est fait. On a resserré un peu, je me suis permis. Vitesse de tir aussi. Même si on l'utilise jamais. Une meilleure corde. Un truc un peu plus efficace et strong. Super. Voilà, là tu me régales. Ouh. On voit les armes s'améliorer et ça c'est exceptionnel. Les amis, on va s'arrêter là. Ça va le faire. Mais bien sûr mon petit. Bien sûr que ça va le faire mon petit Joël. On va s'arrêter là, n'oubliez pas le j'aime. Et le commentaire. On va essayer quand même, bougez pas. Nous ne sommes pas des sauvages. Bien, ça me plaît. Ça me plaît, j'ai pas du tout souvenir de ça dans l'ancien, mais ça me plaît. N'oublie... Oh putain, j'ai eu tellement peur là par contre. Achève-le. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Bye bye. Pas aujourd'hui. Et toi? Pas aujourd'hui. Okay. Alors demain? On se sépare et on s'assure d'avoir loupé aucun de ces enfoirés.